château Vaux-le-Vicomte, oui, avec Pauline. Oui. Alors, j'ai tout envie de savoir parce que c'est magnifique et je vois ta coiffure, qui est quelque chose de fantastique. Oui. Peux-tu parler de cette journée? Alors, c'est une journée qui a lieu une fois par an. Donc, on fait le Noël de Vaux-le-Vicomte où on se retrouve entre costumés, hein, le temps d'une après-midi pour être photographié avec les costumes et les décorations de Noël. Et puis après, il y a une autre journée comme ça au mois de mai, fin mai, début juin, qui est la journée Grand Siècle, où pareil, là, il y a plus de monde, on va pique-niquer dehors. Voilà. Alors, je regarde ta coiffure, oui, je la trouve magnifique. Peux-tu en parler un tout petit peu de cette coiffure? Alors, c'est une coiffure qui date de 1778, parce que vous aviez une frégate qui s'appelle la Belle Poule, qui avait eu une victoire lors d'une bataille navale. Et donc, Marie-Antoinette a lancé cette coiffure à la mode pour célébrer la victoire de la Belle Poule. Et donc, c'est devenu la coiffure à la Belle Poule. Alors, si je comprends bien, tu te trouves dans quelle époque alors? Alors là, je suis 18e siècle, là. Voilà, époque Marie-Antoinette. Alors, c'est un hobby pour toi de venir dans ce château et puis te sentir... Oui. C'est... Ça a commencé comment? Ça a commencé il y a 3 ans. Je suis allée à une journée costumée. Alors, j'avais loué mon costume et j'ai rencontré tous ces gens-là qui font leur costume eux-mêmes. Et je me suis dit, ce serait sympa d'essayer. Donc, depuis, j'ai pris le virus, j'ai fait mes costumes j'en apprends un peu plus sur cette époque. Alors, je sais aussi que ce château, justement, il a une histoire incroyable. Oui. Aussi bien oui. qu'elle est magnifique, aussi bien qu'elle est belle, elle a une histoire incroyable. Oui. Peux-tu juste une petite minute raconter l'anecdote avec le propriétaire du château? Avec plaisir. Alors, c'est un château qui a été construit au XVIIe siècle par le surintendant Fouquet. Et Fouquet, donc, qui était surintendant des finances, donc si vous voulez, le ministre des finances, à l'époque où Louis XIV est devenu vraiment roi de plein droit, a régné tout seul. Et il a construit ce château donc pour montrer la puissance, sa puissance en tant que surintendant des finances. Et il a commis l'erreur d'inviter le roi Louis XIV à une soirée pour mettre en valeur son château, lui montrer sa puissance. C'était une erreur puisque Fouquet avait un rival qui était Colbert. Et Colbert avait convaincu Louis XIV que Fouquet détournait de l'argent. Et donc quand il a vu le château, il dit effectivement, il est beaucoup trop riche pour se faire un aussi beau château. Et donc il l'a fait arrêter, il l'a fait mettre en prison. Et il a mis le château sous séquestre et il a récupéré des biens de ce château pour faire son château de Versailles. C'est vraiment le premier château avant Versailles. Et il a aussi récupéré tous les architectes, tous les peintres, toutes les personnes qui avaient travaillé dans ce château pour faire Versailles. Alors ça prouve bien déjà la puissance du roi à l'époque qui pouvait pouvoir faire quelque chose comme cela. Oui. Et puis ne pas sans crainte. Voilà, oui, c'est le roi absolu, tout à fait. Alors je te laisse les 30 dernières secondes pour me parler de cette belle époque du 18e. Voilà, du 18e siècle. Alors là moi je suis un siècle après, ça c'est un château qui est du 17e. Mais en général quand on se met en costume, on fait 17 et 18e siècle. Donc la période juste avant la Révolution où la mode a vraiment des fantaisies, on peut vraiment s'amuser. Voilà, donc avec la coiffure à la Belle Poule. Alors là on est couvert parce qu'il fait froid, mais en dessous on a des robes de cour avec des paniers qui partent comme ça. Et puis derrière vous avez la traîne. Fabuleuse, voilà. Fantastique. C'est ce qu'on appelle des plivateaux, donc c'était ce qu'on appelle la robe à la française. Eh bien, voilà. Je te remercie. Avec plaisir. Je te laisse, si tu avais un petit mot à dire cette journée. En plus, il fait beau. Oui, il fait beau, il pleut pas, il fait pas trop froid, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, je souhaite à toutes les personnes qui verront ce reportage de pouvoir un jour venir se promener à Vaux-le-Vicomte. Il paraît qu'au mois de juin, ce sera possible de pouvoir venir. Oui, en costume, le 21 juin. Prochaine journée, le 21 juin. Alors, Pauline,
Océana Magazine, je remercie. Bah, de rien. Pour nous, c'est une belle histoire qu'on a appris. Et puis te voir habillé ben, en 18e, oui. C'est un rêve. Et puis, c'était une belle époque. Bah, merci. Je te remercie. Au revoir. Au revoir.